On va prendre un, puis au pire, la modifierait. Ah, c'est pas ça. J'ai un micro, salut. Oh, j'étais tout seul. Alors, fredonnais plus que je parlais. Pas ça. Pas comment qui va, Tépi, Rox? Rox. C'est un gaming. Bizarre comme Nick. Je suis pas si pire un peu à cause que. Ouais, à cause que là. À peine, ouais, mais t'as peu. Il s'est passé quoi? Ah ben, pourquoi j'étais pas là? Oh, il s'est encore volatilisé. Ok. À cause que mon. On va corriger, on va corriger. Et cette mon OBS c'est bien correct. À savoir quoi faire sur le jeu, c'est mieux que parler tout seul. Bon, je connais le jeu. C'est juste mon son. C'est mon.
Mon micro y est décollé. À taper. Bon. 17. Pourtant, masqué pour y aider. Ça devrait être mieux. Bon, là, je m'entends en écho. M'entends-tu? C'est-tu mieux? Oh, merci du follow. Takumidou 71. Oui, c'est mieux pour le micro. Bon, ça devrait être mieux. Là, le son devrait être correct. Mon TS, tu peux venir me rejoindre sur mon TS. Oh, salut Jack, comment tu vas? Mais j'ai pas d'écho. C'est un peu. Habituellement, j'ai de l'écho. Là, j'ai pas d'écho. On va juste couper le retour. Oui, je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça en chuchot. Avec le mot de passe. Ah, mauvaise fenêtre. T'as couru deux ordi. Il faudrait que je le copierais sur l'autre. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple. Ami, chaîne. Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça Steam Peaks. Ah, mais là, moi, Discord n'utilise pas Discord. Jaggi, ce. Je te l'envoie, Jack. Parti. J'ai pas eu sur TeamPix. Non, il est pas long à installer. C'est parti, Jack. Oui, on est en ligne. On est en ligne. Parce que. De Pyrox. Pyrox. Je veux pas massacrer ton nick, là, mais. Là, c'est le son du jeu que j'entends plus. Ah ben. Ah ben. Et quoi qui se passe avec ce son-là? User entered your channel. Yo! Ça va? Juste Spiro, ok? Pas de trouble. Ouais, ben là, tu m'as dit que t'avais pas ton TeamSpeak. Hein. Il est pas osé. Hein. Je te l'envoie. Un chuchot. C'est parti. Yo, yo. Il est peut-être là, mon problème de micro. On va regarder, hein. Direction. User entered your channel. Salut de Spiro. Salut. Bon. Microphone désactivé. Bon. Lui, il veut pas nous entendre. OK. Bonjour. Oui. J'ai juste mon micro qui t'a pas sauté, c'est pour ça que tu m'entendais pas là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est correct. Ça va? Ouais, ça va, toi? Oui. Je m'attendais pas à avoir autant de monde tout d'un coup. Des fois, on est tout seul à cette heure-là. Non, t'entends pas, Jack, ton micro il allume même pas bleu. Bon, on a reformé la fenêtre, mais je ne vois plus rien. User disconnected from your Bon, channel. il s'est déconnecté. On va revenir. Ouais, ça c'est Jack. Il y a des problèmes de micro, I guess. Ouais, ça y arrive des fois. Bizarre pareil qu'on m'entendait pas tantôt. J'étais sûr qu'on était correct.
Oh, mais c'est pas évident des fois, on est tout seul. C'est quoi t'es en train de faire là? Là, À j'ai. part botter toutes tes machines. Oh, c'est à cause que j'ai acheté du matos, puis. User disconnected from your channel. Hop, il y a de la misère. Ah. On va l'enlever, on va être moins compliqué. Ouais, ah, ben, je vais acheter. Là, je m'ai endetté à mort, j'ai acheté le matos pour. Mais t'es pas vraiment endetté, t'as en quoi 76 000? Ouais, mais j'ai endetté, j'ai. Dans mon prêt de 300 000, là, qu'on a le droit, là. Ok. Moi, mon prêt de 300 000, il est pas fait longtemps que je l'ai usé, moi. Ouais, ben, c'était ça. Comme ça, t'es un nouveau joueur de farming. T'as commencé ça aujourd'hui. Ouais, ben là, je suis en train de faire des builds d'herbes, là. Ok. T'as bien? J'ai ma. Fait que je coupe l'herbe. Salut! Après ça, je les transforme en build, puis après ça, je les mets dans un genre de tape blanc, parce que je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est pour faire. Ça coûte plus cher quand tu mets du tape blanc dessus, fait que je le fais. Ouais, c'est pour faire de l'aliment concentré pour les vaches. Puis tu peux les vendre aussi, là. Ça dépend sur quelle map que tu joues, là. Moi, je joue celle de base. Ah, ok. Ouais, ben là, j'ai rechangé de map, là. Mais là, comment je te dirais ça? Là, je sais que le 19 s'en vient. Puis là, ben, je voulais jouer sur la Hofbermann, mais là, la Hofbermann, il y a plein de petites choses qui me manquaient. Là, on va retourner sur la Sudermann. C'est une map assez compliquée, là. En plus, c'est en allemand, là. Là, je me commençais une petite game, là. Mais ouais, sinon c'est pour les vendre là, que je fais ça là. Ouais, elle est plus payante quand elle est plus payante la balle quand tu l'enrubannes. Ouais, j'ai remarqué ça. Elle est plus payante. Juste le terrain 14, j'ai fait je pense 50 000 ah. La dernière fois. Là, je le refais bien. Puis t'es vend au BGA. À part la machine pour ça, là, j'ai quand même j'ai le trailer pour tout mettre ça dessus. Puis j'ai acheté la paye pour prendre plusieurs lignes puis les mettre en une là. Ah, ok. Je sais pas si c'est de quelle machine que je parle. Ouais, c'est juste le nom. Comment un andonneur. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Moi, ma game est en anglais. Ouais. Mais en français, c'est un andonneur. Ah, c'est un bon petit jeu. C'est quoi le piton pour ouvrir le market sans être au market? Au market, je sais pas, au clavier, je sais pas, je joue clavier souris, mais. Puis manette. C'est P. Ah, c'est P, c'est pour les premiers. P? Ah, ok. Ok, c'est P, ouais. Attendez, c'est bon. Oui! Ouais, là, mon. Le prochain but, tout de suite, c'est commencer par acheter un deuxième tractor qui est plus fort. Ouais, ben, il te faut au minimum 200-250 forces. Pour être 4. Que le prochain que j'ai prévu de prendre pour la plupart de quoi est-ce que je vais pogner c'est disons, j'ai mis les photos il y en a 350. Ah moi là c'est sûr non? C'est le Valtra S-Series. Comme ça t'es un Québécois? Non. Non t'es pas Québécois? Non. Ah je suis pas loin. Ah t'es pas loin? Alors, ça peut être l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Ouais. Ah, ok. Nouveau-Brunswick. C'est correct, ça. Ouais. C'est bien correct. Là, ils sont tellement rares, les, les Franco qui jouent à farming, là. On a une des Français qui jouent là-dessus. Ça se peut. Ah, yeah. Ça pour n'importe quel jeu qui est sur Twitch, là. Oh oui, je te dirai pas le contraire là. Ouais, là j'ai acheté du matos là, puis là je vais le serrer. Durant le temps que mon. Je sais même pas c'est quoi les différentes affaires que tu peux faire, je sais juste que tu peux faire de l'herbe, le blé, le restant je sais même pas comment le faire.
Ouais, mais là, tu es sur une map de base. La map de base, là, tout ce que tu peux faire, c'est des récoltes. Après ça, du bois, toutes les récoltes, toutes les sortes de récoltes pour tes animaux. Ouais, c'est quoi ce qui est différent des autres maps? Les autres maps, ben, quand tu viens habitué, tu vas aller sur des maps qui, on appelle ça modées. OK? C'est des maps où il va y avoir des usines. Avec ces usines-là, ben, tu vas fabriquer soit du diesel, soit que tu vas fabriquer, mettons, avec le lait que les vaches vont te donner, ben, tu vas faire, tu vas amener ça à la laiterie. La laiterie, elle va transformer ça en lait, en beurre, en yogourt, Ouais, puis. ben en gros, tu vas avoir plus de ressources, quoi. Ouais, c'est ça. Après ça, comme ton bois, ben, tu vas l'emmener à, mettons, une scierie. La scierie peut faire juste des planches. Là, avec tes planches, tu emmènes ça d'une autre usine, qu'elle, l'usine va fabriquer des palettes. Avec tes palettes, ben, tu vas faire, admettons, tu vas les emmener justement à ta laiterie pour continuer à faire à faire évoluer tes produits, là. Ah, il y a plein Mais ça, c'est d'usines. une map que tu as downloadée sur Internet ou c'est une des maps qui vient avec la game quand tu as des DLC? Non. Ah non, les DLC, j'ai essayé le dernier, là, la Platinum, là, puis je ne l'ai pas aimé, la map, avec la canne à sucre, là, je ne l'ai pas essayé pantoute. Elle n'est Je pas crois, belle. c'est juste que j'ai trois maps là. Ouais, c'est ça, c'est la troisième map, c'est la dernière qu'il y a eu avec le Platinum. T'es quatre du, toi la deuxième ou un autre par rapport? T'as la Gold Crest, après ça, Dovnashka. c'est SOS 9K, puis l'autre, la troisième. C'est une map du sud. Ouais. Ouais. Mais moi, des maps, j'en ai essayé plusieurs, là. J'ai plus joué sur des maps américaines. Là, j'ai joué sur une map allemande. Deux maps allemandes. Non, c'est ma troisième. C'est vrai. Northwich, la Oberman. Ben, Oberman, j'ai rien fait une semaine. Puis là, je veux jouer sur Sudermen. Là, je veux mettre mon emphase là-dessus. C'est une map que. Juste une seconde, je reviens. Ah oui. Ouais, parce que là, c'est un peu. Cet été, au moins, on va plus travailler. Puis là, on va arriver à l'automne. J'aurai pas le temps de jouer sur une map que je veux jouer depuis des bouts. Puis toi, Jack, ça va? Ouais, j'avoue. La map avance? Bah là, après avancer trop toute cette semaine, là, je travaillais. Ah, c'est sûr. Hein. Je faisais le train. En plus? J'ai pas trop avancé. Oh, on le fait quand on a le temps. Mettons, la semaine, ça en fait bien bien. La fin de semaine, ça l'avance. Bon, c'est comme moi, je réussis à m'avancer un peu dans la semaine, là, mais on tourne en rond plus que d'autres choses la semaine. Ouais, c'est sûr. On avance petit peu Faut par pas petit peu. faire. Bon, ben, c'est ça, moi, je travaille en masse aussi. Hein. Priorité, c'est là. Le soir, ben, L'école. moi, puis toi en plus, tu travailles à l'école, tu travailles, à un moment donné, il te faut du repos aussi, puis d'autres choses. Pas toujours Oui, évident. je vais arrêter dans pas long et tout de jouer. Ah ouais? Bon, je commence à être déjà tanné, je commence à être fatigué. T'es sûr. C'est sûr. Là, c'est quoi qui me manquait à acheter? Vous êtes arrivé, puis là, il me manquait un achat. Je me souviens plus c'est quoi. Il me manquait de quoi acheter. En tout cas, on va emmener ça. Pas t'en venir. Ah oui, ça va revenir. En attendant, je vais emmener ce que j'ai acheté, là. Oh, la vieillesse, hein. Ah, que veux-tu? Que veux. Ben là, hey, vous êtes arrivés deux en même temps. Hey, perds la tête! Hey, l'armeur, toi. Attention avec l'armeur. Ah oui. Non, c'est correct, là. Fais ça. Alors, je m'attendais pas. Il dit, oh, tiens, ça. Ah, il y a des bouts, ça me tente pas, mais là, à soi, ça me tentait. Il dit, faut que ça Ouais, nous quand il tente. ferme, je me demandais. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui à laver à cette heure-là, lui? Ouais, bah, il fait pas longtemps. Fait quoi? 20 minutes, moi. C'est vrai qu'il est tard. Mais c'est pas grave. T'as dit qu'un stage, c'est un après-midi, genre, ben, l'après-midi.
Ouais, l'après-midi, des fois, quand arrive de bonne heure de l'ouvrage, mais là, cette semaine, finit tard pas mal. Ça dépend, quand je finis de bonne heure, en live un coup l'après-midi. Des fois, ça me tente plus parce que ce qui arrive à le soir, à 7 heures, j'écoute mon étoile de District 31. Ça Ok. me casse un peu pour lancer un live, mettons, à 6h30, tu sais. Ça me ferait une belle heure, 6h30, aller jusqu'à 8h30, 9h. J'écoute pas ça, les télé-ramènes. Ah, mais c'est le seul que j'écoute. Je suis tellement, mais j'ai tellement embarqué, tellement. Ben, tout de suite en partant, Luc Dionne, c'est un bon écrivain, tu sais. Pour des téléromans, là, policiers, là, c'est un des meilleurs au Québec, là, il est dur à battre. Ça veut faire la mouille dans le bruit, sûrement. Ça commence tantôt à 9h. À moins que je vais aller me coucher peut-être et tout, je sais pas encore. Ça va dépendre vraiment que je vais filmer. T'es sûr? Ah, bah, c'est des bonnes journées. Hein. Quand tu travailles, tu vas à l'école, ben. C'est pas toujours évident. En plus, demain, je suis en train de hockey. Ça... En plus. Non, moi demain, je sais pas, habituellement, mais là, je sais pas comment je vais avoir de. Bon, sûrement avoir une bonne journée demain, c'est vendredi. Sûrement avoir une trentaine de livraisons demain, ah, ça va être une petite journée encore. Aujourd'hui, c'était pas pire, mais j'ai fait de la route en masse. Un peu de kilomètres par jour. Oh, ça dépend. Il y a des journées où je m'en fais 100, il y a des journées où je m'en fais 400. C'est Ah. un peu pareil. Bah, je fais de Ben, la. 400 km, c'est long pas mal, je trouve. Ouais, puis là-dessus, tu sais, je descends mon stock, je livre mon stock à boguer, tu sais. 400 km. Ben, c'est une journée complète. Ah, il y a des journées que c'est 10-12 heures, là. Là, c'est un site, c'est pas pire. Ça joue entre 8 à. Gros max, mes grosses journées depuis le mois d'octobre, oh, 10h, 11 mois, gros max, 10h, 10h30. Ça doit être plus l'automne puis printemps, ça peut marcher ça plus quand Printemps, même. été ou moi, automne, non? Mais ce qui arrive, il y a plus de clients, nous autres. Pour nous autres, il y a plus de clients l'été, l'automne. Ouais, c'est ça. On a plus de clients dans ce temps-là, parce qu'il y a plus de commerces d'ouvert aussi. L'hiver non plus. Pas tout le monde pose la neige, c'est sûr. Bon. Pas grave. On a des bons clients. L'hiver, on a des bons clients Pas pareil. de Hein. slave, pas de slave. Oh, livre, n'importe quoi. À part Tu des du. condos aussi. Non, livre, je travaille pour une compagnie qui distribue des restaurants, des hôtels, des bureaux. Des fois, on peut livrer une palette de papier d'un bureau. Comme on peut livrer de la farine, de la sauce tomate, du jus de tomate, des boîtes à pizza, des champignons, ah, livre à peu près n'importe quoi. C'est le fun, bon. Oh, moi aussi je fais peut-être du transport plus tard. Ah ouais, du transport à Américo, là. Affaire école. Transport parce que. Je suis sûr que moi plus tard je vais faire quelque chose avec les réseaux T'es sûr. Ben, quand on sociaux. baigne là-dedans. Quand t'es né là-dedans, puis. Oui, à 2 mois, là. Ma mère, elle m'a amené dans la salle de traite, là. C'est correct, ça. Quand il arrive, dans la salle de traite. C'est bien correct. Ah, moi, il y a une maison qui en avait une ferme. Puis quand j'étais à flot, là, dans tes âges à toi, l'été, là, j'étais tout le temps là, là. Après l'école, à fin juin, là, ils commençaient leur première école, là, à faire les foins, puis courir les vaches, puis oui, aller chercher les vaches avec le toit roux, puis oui, changer de pré, puis oui. À 3 roues, ça c'est dangereux quand t'as peur. Non, mais j'étais un petit peu vieux. Ouais.
J'ai connu ça en IUE. Mais j'ai eu du fun dans le Christ, par exemple. On avait un vieux tabarouette de 200, là. Pas de suspension, hostie. Une gros calice de robeur. Ça allait bien, par exemple. Mais. Ça pas grand temps que ça lève, ça, cette affaire-là. Ah oui, ça levait. Ben, le best, là, mettait une boule avec pour transporter un petit trailer, puis tu voulais l'air, puis ça accotait, tu étais correct. Il n'y avait pas de danger de te verser. Ça faisait du deux roues. Ah oui, on se promène. Bon, c'était quoi qui me manquait? Ça, j'ai acheté. Ah, c'est ma sarcleuse que j'ai oublié d'acheter. Et ça qui me manquait, ma sarcleuse. Ma sarcleuse. Et là. Et ça qui me manquait, en plein ça. Tiens. Faudrait acheter des animaux. Peux-tu des Canadiens des fois? Hein? Peux-tu des Canadiens? Non, 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 non. J'écoute plus le hockey depuis que les Nordiques sont partis. Ok. Pareil, tu fais bien, les Canadiens sont même pas bons. Les Canadiens, ils étaient bons quand les Nordiques étaient là. Le jour que les Nordiques ont parti, là, les Canadiens, ils ont jamais été bons. Ils ont toujours fait les séries sur la peau des fesses. Ils ont tout le temps eu des joueurs pour les faire, pour les aider. T'sais. Patrick Roy a goalé des années. L'année qu'ils ont, en 93, quand ils ont gagné, là, c'est parce que Chris Patrick Roy a goalé au-dessus de sa tête, puis ils ont battu les équipes. C'est pas à cause qu'ils ont scoré des buts, c'est parce que Patrick Roy était là, puis il faisait les arrêts. Tout ce qu'il avait besoin, c'était un but en avant ou deux, puis il gagnait. Puis en plus, les grosses équipes se sont toutes éliminées. C'est ça qui est arrivé. Quand on niaisait, on était des années. Toi, t'as pas connu ça, là, mais t'as dû l'entendre. Le Canadien, la prochaine fois qu'il va gagner une Coupe Stanley, c'est parce qu'il va en faire tirer, tu sais. Puis Bergevin, on pensait qu'il allait bien faire une belle job, mais parti comme c'est là, il a débâti le club, là. Ouais, signé 10 ans, Price. Tu sais. Ben, un goaler de 40 ans, là, c'est pas trop bon, c'est un goaler de 40 ans, là. Non, non, Et goaler, 5-6 millions, là. Oui, c'est un poste important, mais. Faut pas capoter, là. pas abusé. Ben, c'est Mais ça. il puis mettre l'argent sur un meilleur centre, là, comme pour échanger, mettons. Ça fait combien d'années qu'il lui faut un centre, le Canadien? Puis quand est-ce qu'il en a repêché un? T'sais, en tout cas. Ouais, fait Il y avait un bon défenseur, puis ils ont été chercher Jonathan Drouin. Il est bon, le gars. Il était bon, mais. il était bon, mais là, il est rendu plus bon. Ah, il est. Ben, on ne sait pas. Dès qu'ils arrivent avec le Canadien, ils sont plus bons pantoute. Ouais, c'est ça. Dès qu'ils ont des bons joueurs, ils échangent. La fois qu'on fait avec eux autres. Non, puis je parlerai pas contre Subban Weber. Weber amenait une dynamique autre que Subban. C'est sûr que Subban, il a encore pour 10 ans, minimum. T'sais. Mais un défenseur, tu échanges jamais ça, mais c'est un défenseur pour un autre défenseur. Mais ah, c'est tellement embêtant, les défenseurs. C'est sûr, l'année qu'ils l'ont échangé, il a fait gros des erreurs. À cause qu'il a monté beaucoup à l'attaque. Il est monté à la puck parce que les attaquants n'étaient pas là. Ouais. Ce qui est trompé, c'est qu'il était genre quasiment tout seul sur la glace contre 5. Normalement, ça fait un revirement à un moment donné. Là. Ben, c'est sûr. Là, je pense, on va commencer par les moutons. Les moutons. Ah, c'est le Canadien, c'est déprimant, Nasty. Cochon. Je peux juste acheter les cochons là. Ah oui. Sur 4 matchs, là, ils ont fait 2 points. Ah ouais.
Ils ont des défaites en plus. Deux points, puis ça, c'est en prolongation. Ils ont son perso en prolongation. Ils ont même pas une victoire. Moi, si je serais eux autres, je m'arrangerais pour perdre toute l'année pour avoir un bon choix au repêchage. Ah, c'est ça qui va arriver. Je pense que c'est ça, mon fils, m'a acheté des moutons. Partir, acheter des moutons. Ouais, mais c'est à cause qui arrive. Le Canadien, là, ils ont tout le temps voulu gagner. Ils se sont jamais dit on va passer de ouette, tu sais. Non. Faut toujours gagner. Mais un moment donné, il veut pas. On l'a vécu ici avec les Saguenayens. Là. Ça a été pareil avec les Sag. Là. Mais il veut pas un moment donné. C'est plate à dire, mais il faut que tu connaisses une mauvaise année. Oh, on a acheté 30. 15 000. Oh, non. Là, on n'aurait pas de vanter Carey Price en plus, mais Carey Price, ça, c'est pas sans gardien de Montréal, là, c'est pas... Il y a des meilleurs gardiens que dans les lances, là. Ah, ben ça, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir des comparatifs. En plus, il n'a jamais rien gagné, à part sa médaille d'or. Mais Chris, t'aurais mis un bâton à sa place, là, avec tout ce qu'il y avait comme équipe là, aux derniers Olympiques. Là, n'importe qui aurait gagné. Le bâton d'or qui aurait gagné, facile. Canada, mais là, cette année, ça va être autre chose. Hein. Pas sûr qu'il gagne. Ouais, on sait jamais. Hein. Un tournoi olympique, on sait jamais. Mais mettons qu'ils ne partent pas favoris. Des gardiens, je les connais, les gardiens qui vont aller là. Moi, je joue au hockey, puis ils m'ont déjà donné des trucs, ces gardiens-là, qui auront l'Olympique cette année. Là. Comme Kevin Poulin et tout ça. Là. OK. C'est pas des gardiens vraiment forts, là. C'est des gardiens qui ont fait la JMQ, qui ont même pas été repêchés à les NH. C'est plusieurs joueurs, là, ils ont même pas été repêchés qui vont aller aux Olympiques. Oh oui, il y en a beaucoup. Et ils ont même pas été repêchés pour aller à les NH, ils sont partis dans la ligne de France. Que... Mais si les joueurs de la Ligue nationale, ils auront juste à prendre les joueurs juniors, le tournoi junior aux 4 ans, qui a durant le temps des fêtes, de prendre là puis de l'emmener aux Olympiques. Ouais, ben pareil. Ben, les juniors de 19 à 20 ans, là. Ouais, c'est bon, pareil. Ils vont tu sais, tant qu'à. D'abord, c'est une fois aux 4 ans, tu prends les juniors, puis les juniors, ils vont être très contents de venir d'aller aux Olympiques, là. Ben là, il y en a des juniors qui vont aller aux Olympiques. Bon, oui, il va en avoir sûrement, là, mais. Parce qu'il y a d'autres pays, puis. Les autres pays, il va y avoir des juniors, là, mais. Tu sais, je te dis, point de vue hockey canadien, là. Ouais. Parce que là, c'est des joueurs qui sont. Qui n'ont aucun contrat, là. Bon, d'accord. C'est pas dans le bon trigger. Ah, c'est vrai. On aura pas assez. On va être full. OK. On va être correct. Ah, c'est spécial. Ouais, parce que c'est Pierre Houde qui a amené ça. Il passe ici à la radio une fois par semaine. Puis il dit, pour une fois que c'est rare, je suis en accord avec lui, mais il a amené ce commentaire-là. Tu prends un junior, au lieu de présenter le tournoi durant le temps des fêtes, ben. Ouais, malgré que les juniors, ça. Ah, ça prend un bon calibre. Là. Même à ça, les voir une fois par année, c'est quand même pas pire aussi. Bon, oh, oui. Ça fait un tournoi de plus à voir. Puis c'est... Ben, quelqu'un qui aime le hockey, là, il regarde. Là, c'est rien que parce que moi, je le suis plus autant comme avant. Là. Mais le hockey junior, là, quand les jeunes, là,
Il y en a qui sont repêchés, il y en a qui vont être sur le bord d'être repêchés. Tu sais, c'est les espoirs de demain. Là. Parce que le hockey junior, hein, mais, moi, nous autres, avec les SAG, on a été gâtés ici. Là. On a eu du beau hockey. Là. Mais par exemple, l'autre Québec, là, ça, c'est. Il n'y a pas grand espoir. Là. Non, non, non. Sur le tournoi junior, il y avait un Québécois dans toute l'équipe. Oui. Un Québécois dans toute l'équipe, là. Ouais, c'est bien. C'est pas grand chose. Non, c'est juste parce qu'il est. Il y a tellement. Il y a tellement de joueurs canadiens. Puis de bons. Puis ça dépend tout le temps de l'optique des entraîneurs aussi. Où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec lui. Le hockey, c'est gros de la gamique. Oui. J'ai un exemple sur Guy Carbonneau, là. Puis, mes parents, avant, il y avait un gîte. OK. Puis, il est déjà venu coucher chez nous, Guy Carbonneau. OK. Puis, il a dit à mes parents que. Son père, il avait payé pour qu'il rentre dans la GMQ. Puis Carbonneau, c'est un méchant bon joueur. Là. Ben oui. Son père, il aurait pas payé, là. Il aurait jamais joué dans la GMQ, jamais joué pour le Canadien. Non, mais ça coûtait cher jouer au hockey, là. Non, mais son père, non, il a payé pour que l'équipe elle choisisse. Ben oui, ça marchait de même. Ça a toujours été de même. C'est juste parce que ils l'ont jamais. Bon, toi, t'es pogné là, toi. Ça a toujours été de même. Parce que même le midget 3A là, coûte une fortune, là. Oui, l'année prochaine, mais je vais trouver un midget 2A, mais. Le 3, ça coûte. C'est un autre affaire. Ah, ça coûte une beurrée, le midget 3, là. Tant, ça joue entre 7 à 10 000 par joueur. Là. Ben, juste Pee-wee de temps, Pee-wee de A, ça coûtait ça, 10 000 par joueur, Pee-wee de A. Ah oh, oui, c'est pas long là-dedans, là. Il y a des équipes qui réussissent à en payer, là, mais ils payent pas toutes. Là. Ils payent pas toutes. Oh non, qu'ils payent pas toutes. Non, c'est les parents qui payent. Oui, oui, oui. Ah, moi je vais y aller. Ah, il n'y a pas de trouble. Hey, merci d'être passé. Puis à la prochaine. Bye. Bye. User disconnected from your channel. Non. Ah, pas une petite gorille, hein? Il est sweat. Le train qu'on entend et qu'on ne voit pas passer. Bon. Ça a tombé tranquille. Tantôt, il y avait du monde. Bon, t'es encore bloqué. Là.
Salut! Bye! Salut! Bon. Salut Julien Rally, bienvenue. Un petit bonjour, toujours apprécié. Oups, la visite. La visite, la visite, la visite. Bon, je suis revenu. Mon son de jeu est pas fort. Pourtant, je te dis. On va aller chercher ma benne. Nourrir les moutons. Moutons. Commencer à produire. Salut Jojo 6887, bienvenue. Un petit bonjour, toujours apprécié. Et c'est gratis.
Bon. J'ai regardé le train. Mais voilà que vous irez go. Oh. Je pensais pas qu'il passe à ce train là. Et en passant, la map n'est pas traduite, elle est vraiment en allemand. Être full. Pour l'instant, c'est parti. La machine à laver, laver les patates. Fontaine, mais je pense qu'on paye. Ah ben, on peut pas remplir. Hein. Commencer avec les moutons, ben, produisent la laine, puis c'est pas trop d'ouvrage, fin que lui mettre un peu de, un peu d'eau, puis un peu de foin, puis. C'est pas trop d'ouvrage. Vous êtes sages, les amis, on vous entend pas. Pirox est occupé. Bon, revenez. Amenez. J'espère que le son est correct, les amis, parce que tantôt j'ai eu des petits problèmes, puis là, je sais pas. Hein. J'espère que c'est correct. Dans 1 heure, ça pose 8.
ferai pas un gros live non plus, là, mais... Ouais. L'autre, il va finir son chant. Ouais, ça va être une chose à acheter, ça, la tablette. J'ai commencé à l'utiliser sur Overman, mais je voulais pas trop. Là, je voulais investir là et changer d'opinion. J'ai dit, tiens, on va s'aligner sur une game la Sudamen. J'ai tout le temps aimé cette carte-là. J'avais commencé une game à un moment donné, puis j'ai trouvé l'arrêter parce qu'il y a eu des mises à jour. Je pense que c'était la 10. Puis il y a eu des mises à jour par-dessus mises à jour. Puis j'ai arrêté, mais j'avais bien aimé cette carte-là. Plein de choses à faire. Là, on recommence. En plus, c'est en allemand. Oh. On va traduire. Bon, on va la traduire sans la traduire. Hein. Je sais pas si vous comprenez, mais. On va apprendre les mots.
C'est long, mais bon, il coûte pas cher, puis pour commencer. Je m'ai bien équipé en tracteur, moissonneuse, une bonne moissonneuse. Le prochain tour, il faut acheter une ensileuse. Tout en payant le prêt. Un autre semoir, semoir pour faire du maïs. Puis, c'est de l'ancillaire, on va le vendre. Non, pas ça doit être. Parce que, regarde, 388 au BGA. BGA, il est où le BGA? Ah, il est là. En haut, là, c'est vrai. C'est de sa raffinerie, si je me rappelle bien. C'est ça? Non, pas ça. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, BGA. La raffinerie est là. Et tu sais, il faut tournesol. Si ça n'a pas changé, c'est tournesol puis soja. Il est où? Là, il est là. Rape. Soya. Tournesol. Puis je pense que c'est. Du rap. Oh, regarde, c'est quoi du rap? R-A-P-S. C'est ça? R-A-P-S. Ouais. Regarde, je suis pas de glace. Ah oui, c'est en plein ça. Ok. Je donnerai pas la traduction, là. Mais normalement, c'était du soja. Tournesol. Puis, non. Colza. Fais le diesel. Mais là, avant de faire le diesel, là, parce que il nous faut un sommaire. Puis là, parti comme c'est là, on a les moyens de se payer un 3 mètres. On se paye 60 000, il y a lui ici. 29 000, on va tout se payer lui. 29 000. On verra là. Ici, peut acheter ça. Une coupe de pièces. Ah, on réussira à s'en payer. On va se donner de la misère. Non, vous le dites. Là, c'est, je suis pas vraiment une game, là. On va m'emmener vers Farming 2019. Je ne me tente pas de rechanger de map, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour.
brosser le foin, hein, s'en faire une réserve. Après ça, le reste, je vais l'envoyer. On a un fermenteur, on s'en fermenter. Voilà. On va juste le faucher pour asseoir. Allez, sûrement pour une bonne demi-heure encore.
De trois déchets, un, deux, les deux sur terre. Ah, il n'y a pas de trouble si tu... Demain soir, il y a des grosses chances. Là. Le jour où je travaille, là. Ben, là, pas en fin de semaine, non, mais demain, c'est les derniers jours de congé.
Ouais, bah, je live assez quand même, assez souvent, régulièrement plutôt. J'ai pas d'horaire par exemple. Même au point d'horaire, là, mais j'ai pas d'horaire. Je live, là. Ah, c'est correct. Ouais, c'est des frais qui coûtent cher à tous les jours. La banque. Moi et tout, ça va coûter cher, là. Faut que je pense à faire des sous. Malgré que je peux faire de quoi, ben. En moins, mais je peux vendre un champ, ben, hein, m'en servirait pas pour le pour tout de suite. Tiens, il est vendu. Comme ça, ben, je serais pas en dessous. Parce que je vais avoir les frais à acheter beaucoup de matériel. J'ai vendu un terrain. C'est ça quand on. J'aime bien ce petit mode-là. Tu peux acheter puis vendre des terrains. Puis tu choisis. Parce que là, c'était pour faire du tabac. Le terrain que j'ai vendu ici, le 43, c'est pour faire du tabac. Fais du tabac, ce terrain-là. Mais là, pour l'instant, je décolle la partie. Il me servira pas vraiment. C'est aussi bien de le vendre. Comme ça, ben, si je veux racheter du matos ou racheter des animaux. On va avoir du lousse un peu. Là, on va passer minuit, le premier minuit. Là. C'est sûr qu'on pourrait, je pourrais acheter, pourrait faire des balles, ben. 105 000, 52 000, je pourrais acheter elle, mais après ça, le plateau, ouais. Trop cher eux autres aussi. Est-ce que je pourrais vendre au BGA? Cette BGA est en haut. Ouais. Ici, ah, ils l'ont changé. Oh, ils l'ont. Oh. Ils ont mis une cabane. Ok. Oh. De 7 h à midi. Ah bon. Avant, c'était pas dans une cabane. Ah. Ah ben. Ah, les moutons sont payants. Sont très payants. Regarde sur la map, sur moi, ici, 6 000, 6 100 ici. Puis là, ils sont pas en hausse, ils sont stables. Puis j'en ai pas beaucoup, là. J'ai 28 %, 21 %. Une ligne 40. Ouais, les moutons sont toutes payantes, les récoltes.
Même les cochons, je pense, c'est les cochons qui sont les plus payants parce qu'ils produisent beaucoup de lisier. Après ça, ils se reproduisent beaucoup. Oui, tu es nourri souvent, mais quand, admettons, que tu as le mois de boucherie, il y a un mois de boucherie, là, ils te fabriquent de la saucisse puis des côtelettes, là, et de tabarnouche. Payant, ça. Puis du lisier, ben, le lisier, tu peux le vendre, tu peux l'étendre. Ouais, c'est de l'argent, ça, là. J'ai joué un mois et demi sur Norfrisch, Mars. Puis je faisais les 300-400 000. Je vendais une remorque, là, puis c'était 300-400 000. Ah ben oui, c'est long. C'est très long. Regarde, moi, je suis en train de le faucher, là. C'est parce que là, j'aurais pu acheter une faucheuse. J'aurais pu acheter cette faucheuse-là. Là. Ici, là. Celle-là, ici, là. Celle-là, puis celle-là. Celle-là, tu la mets en avant. Avec celle-là, ça te fait 9 mètres de large. Après ça, tu prends ça ici, dans la donneur. Puis au lieu d'avoir un rang, tu prends deux rangs, puis tu en fais un. OK, même chose avec ça, puis ça. Après ça, tu ramasses avec ça ici, avec le chargeur, là. Tu ramasses ça. Puis après ça, tu viens porter ça. T'es pas obligé de faire des balles, là, parce que des balles, ça vient que c'est. On va retourner sur la carte, là. Ici, non, pas là, là. Ici, j'ai le silo, un peu. Ah, il est là. T'emmènes un coup qui est fauché, là. Tu vides ça ici. OK? Dans ce silo-là. Tu dompes ça là. Puis ça te donne dans l'ensilage. OK? Puis cet ensilage-là, un coup qui est fermenté, ton foin, un coup que tu as mis ton foin, il se fermente dans ce silo-là. OK? Là, tu le prends ici. Puis où est-ce que j'ai été tantôt au BGA, tu l'emmènes là, puis tu le vends là. Tu vas me dire, c'est pas payant. Gars, il est pas payant. L'ensilage est à 388 au BGA. Mais c'est pas long. Puis ça te fait des sous. Mais là, regarde, et cette faucheuse-là, après ça, j'ai la benne. Cette benne-là. En tout cas, on m'a sauté dans le tracteur, il est juste à côté. Mais regarde, tu ramasses avec cette benne-là. Tu vas dire, c'est une benne cheatée, mais. L'ouvrier haut, il a jamais travaillé. Ouais, ben c'est ça, faut que tu les enrubannes. Pas ça. Il y a celle-là ici, là. Il y a celle-là ici, elle fait la balle. Puis après ça, elle l'enrubanne. Mais c'est long. Elle sait que c'est long. C'est quand tu fais des balles, ben, faut pas que tu fasses d'autres choses en ce temps-là. Faut pas que tu aies d'autres choses à faire. Salut! Bonne année! Salut, Alta! Comment qu'il va? Fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ben, je sais que tu navigues sur d'autres jeux, là. Mais, un amateur de farming. Bah, plus vite. Pas vraiment. Je n'ai pas vraiment vu des plus vite. Je sais qu'il y a des. Il y a une crone. Comme ça, ici. Il y a une crone à peu près comme ça, là. Dans ce style-là, il y a une crone. Au lieu de faire des balles à 4 000, elle fait des balles à 6 000.
Ouais, mais c'est toujours avec moi. Ben, des 6 000, tu restes réel, là. C'est sans mode, là. Mais je suis pas un expert en balles. Un peu ce genre, m'amuser à faucher, puis après ça, là, je ramasse. Ouais, mais il y a quelques modes que je t'ai montrés, là. Ces sites-là, c'est la. Non, comment ils appellent ça, donc? C'est le mode paille, ça. Après ça, j'ai le mode Kuhn, le DLC Kuhn, j'ai le DLC paille. Puis aussi, ben là, je l'ai pas sur ta game-là, mais j'ai le DLC Big Bud. C'est trois DLC de farming, là, qu'on paye, là. Du silage, c'est ça, là. Du silage. Tu peux prendre de l'herbe, tu peux prendre de la paille ou tu peux prendre aussi du maïs. Puis du maïs, ben, tu sèmes ton maïs. Un coup que ton maïs est semé, tombe tout le temps de pitons. Tu prends une ensileuse. C'est ici, là, une ensileuse. Une ensileuse. Avec. C'est une barre de coupe. Comme ça, ici, là. Une coupe de mode, celle-là ou celle-là, puis ça te donne l'ensilage que tu vas aller mettre dans les silos ici, là. Dans les silos qui sont juste là. Tu dompes ça ici, là. Dans ces silos-là. Faut que tu le compactes, puis ensuite, un coup que tu l'as compacté, ben là, tu fermes ton silo, puis ça te fait ton. Paye-tu cher? Ben, ça dépend. Faut que tu ailles voir ici, là, dans ton. C'est ça ici, ton ensilage. Si c'est en balle ou en l'ensilage, c'est ça ici, là. Dans ton tableau de prix. Hein. Alors, il te faut un petit peu d'expérience, là. C'est sûr qu'au début, c'est pas évident, là. Quand tu découvres le jeu au début, là, il y a des choses qui est long à faire. Mais faut que tu apprennes un peu la base, comme on dit, là. Ça s'apprend, là. Après ça, c'est les rendements. Là, faut que tu sèmes, tu récoltes. Ça aussi, c'est payant, là. Regarde, j'ai semé un champ en soja. Je vais le récolter, là. Puis, gars, là, il est à 1589, là. Là, je m'ai fait un champ de blé, je m'ai fait un champ d'orge. Après ça, je vais avoir aussi du soja. Je vais avoir du soja. Je me fais ces trois réserves-là pour l'instant. L'icône bleue. L'icône bleue. Sur le tableau des prix, hein? Pas de bleu là. Ah. Ouais, l'icône balle, tu m'as montré, c'est du silage ou de. Ah, je vous dis bleu, c'est. L'icône, ouais, c'est l'icône, ça, c'est ça ici, c'est ton prix ici. Là. Ton ensilage, qu'il soit en balle ou fermenté, c'est ton ensilage pareil, parce que ta balle est en foin, est en foin, ici. Est en foin, mais un coup que tu l'emballes, elle vient de l'ensilage. Oh oui, c'est les prix de balles d'herbe. Non, les prix des balles d'herbe, c'est l'autre. C'est lui ici, là. T'as les balles de paille qui est juste là. Puis après ça, t'as les balles d'herbe ici. Puis ça,
Ça, c'est les balles séchées. Quand je dis les balles séchées, c'est avec ça ici, là. Il est où, lui? Il est où? Faucheuse, faneuse. Quand tu fanes ton foin, là, tu fanes ton foin, c'est avec ça ici. Ah ouais, il y a différents prix maintenant. Là, tu vas t'écœurer de faire des balles, là. Mais c'est pas évident. Au début, c'est ça qui est plate, là. Quand on commence une game, il faut tout le temps faire les jobs plates, là. Comme là, gars, je fais du foin, là. Je vais faire du foin, là. Je vais m'en faire une. On va m'en mettre un peu en réserve. Puis après ça, je vais me faire de l'ancillaire avec. Puis je vais commencer par faire. Je vais la vendre au BGA. Ça va me donner du lisier. Lisier, ben, tu le mets. Le lisier, ben, tu t'en sers comme engrais. Parce qu'il faut mettre de l'engrais dans les champs. Parce qu'il faut faire les trois engrais dans les champs, là, pour avoir du rendement. Alter, t'avais pas. Tu joues sur quelle map? Ah, excuse, j'avais pas vu ta réponse. Sudemen, en allemand. Version 14. La dernière version, j'ai décidé de jouer sur cette map-là. Attends, je l'attendais en français, mais là, personne ne l'a traduit. Hein. Je vais la traduire, là, je vais peut-être même m'aligner pour la traduire dans le fichier XML. Regardez tantôt, mais ça ne me tentait pas d'embarquer vraiment dans le fond du fichier. Là. Je vais essayer d'embarquer dedans, mais ça sera pas compliqué. On pas trop de misère. Hein. Et bidouiller sur d'autres maps, là, des fichiers puis des dossiers. Là. Faut juste trouver le bon fichier à traduire. Ouais, ben. Puis là, en plus, avec l'annonce que le 19 s'en vient, là, je l'attendais, ça fait un bout de temps, celle-là, là, en français, mais là, c'était un peu. Puis, j'ai envie vraiment d'aller l'essayer à fond, là. Là, j'ai essayé plein de maps, là, mais. Plein de maps, mais t'as, ouais, t'as rien que m'attendre. Il y a de Northwish, mais Colin, passe mon temps à transporter du bois, des planches. Alors, on dirait que je fais que ça, transporter du bois, m'étonner un peu. Quand c'est pas du bois, c'est du carton. Quand c'est pas du carton, c'est du lait. Faut charrier du lait. Puis quand c'est pas du lait, c'est de l'eau. Faut rien transporter. À un moment donné, j'aime bien ça, transporter, conduire, ça me dérange pas, là, mais. Mais quand tu passes ton temps juste à transport, 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 ça vient tannant. Mais je te le dis, Pyro, vends-les au BGA, là, c'est ça qui est le mieux. Tu commences de même. Tu les vends au BGA, tu te fais du BGA. Payer ton matos, payer tes dettes, acheter du matos. Au début, c'est ça qui est tannant, là. Mais c'est ça qu'on va faire. C'est toujours ça. Là, je finis de faucher ça, là. On va le ramasser. Après ça, on va le. On entrepose un peu. On n'aurait pas besoin de beaucoup, là, mais je vais entreposer pas mal. Ouais, c'est une bonne map. Une belle map. En plus, ils ont modifié. Ils ont rajouté un silo à la ferme. On le verra pas d'ici, là. Ils ont rajouté un silo à la ferme. Le BGA, ils ont mis une cabane par-dessus le trou. Non, je la découvre tranquillement, là.
Ils ont rajouté la canne à sucre. Là, le platinum. En plus, je joue avec, avec mes mods. Je joue avec mes DLC. Il y a ça aussi, là. Ben beau, j'arrête les DLC, je joue pas avec. Puis là, j'ai un autre game aussi sur le serveur, avec deux trois amis qui viennent jouer de temps en temps. Puis là, je les ai délaissés un peu. Là, d'après moi, faut mettre un coup de motivation pour les embarquer avec nous autres, avec moi. Mais c'est pas évident, là. J'ai du beau matos, puis après ça, je vais jouer une game sur Candabria, puis j'ai du matos de Schnook, puis il n'y a personne qui vient jouer. On est supposé d'être trois, mais je me ramasse seul. Ça avance pas bien, bien. Ouais, j'aime bien cette map-là. J'avais essayé une fois, mais tabarouette, il y a eu deux, trois mises à jour. Maudit total, dans le temps de le dire. Un peu tannant. Décoller les moutons. Les moutons sont décollés. Altar, tu joues plus sur Farming? Je te vois plus live pantoute sur Farming. Tannée, trop joué. Ça arrive. Ah, mais pas tanné, mais sur le bord de sauter le 1700 heures. Hein. Vous êtes sages, les amis, vous êtes sages. De toute façon, moi aussi je vais être sage. On va aller trouver mon dodo bientôt. Et boulot demain. Boulot demain, dernière journée de la semaine. Oh, pas cette route.
Un beau petit tracteur, hein? C'est le Dots à Arsenic Modding. Son Dots série 9. Avec mon changement de vue. J'étais en train d'oublier de. Ah, avec une petite touffe là. Faites un beau mode. Il est super beau. Rien que le son, là. Le son est pas assez fort. La Vaster avec les moteurs anti-surchauffe qu'on appelle, on pourrait appeler. Les anti-pollution, puis les réchauffements climatiques. Mais il est beau, par exemple. Il est beau, mais là, ce que je comprends pas, je suis pas capable d'activer la. Ah. Activer. Ah. Non, c'est pas ça. Parce que normalement, j'étais capable d'activer la caméra, mais là, pas capable. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a une caméra à une firewire 5 angles différents. Là, je sais pas. On est pas capable. En tout cas. Faut que je regarde. J'ai peut-être quelque chose que. Faut que je regarde mes paramètres. Peut-être faire des petites modifications sans le vouloir. Je vais regarder ça demain ou samedi. Hein. J'ai regardé hier, mais en soi, j'y ai pas repensé, j'y repense. Bon, on achève deux passages. Après ça, on va arrêter ça, on va se reprendre. Un autre jour, possiblement demain. Possiblement demain. Ouais, bye, Pyro. Là, je sais pas. En tout cas, si tu veux être sûr de me repogner, abonne-toi. Je suis pas genre à forcer, là. Abonne-toi. Puis après ça, ben, si tu veux qu'on se parle sur TS, ben, enregistre-les. Normalement, j'utilise TS, je suis rarement sur Discord. Discord, c'est de la merde. TS, ben. Pff. À date, j'ai pas un mot à dire. J'ai eu des petits problèmes, puis. Ouais, bon, c'est juste qu'à soir, je l'ai ouvert hein, quand tu es arrivé. Hein, parce que normalement, je le rouvre quand avant d'embarquer. Normalement, des fois, le soir, j'embarque pas sur le TS, mais j'embarque assez souvent. Là, je le rouvre, là. Mais quand je rouvre le TS, normalement, je vais être moi live. Hein. Merci du follow, Spiro, très apprécié. Puis en même temps, je veux remercier tout le monde d'être passé. Moi, je vais serrer à ça. Puis pour asseoir, ça va être assez. Il faut chuter le champ. 3 quarts d'heure. Ouais. Puis avec les alertes aussi, tu vas savoir quand est-ce que je vais être en ligne.
Puis on en reprend notre discussion. Il y a des grosses chances demain soir je live là, à moins que je décide de faire d'autres choses. Ça peut arriver aussi. On verra demain. Demain est un autre jour. Bon. Ah ok, c'est lourd. Ouh, ouh, ouh. Hein? Ah, les pinés à Ben, là. Bon, je remercie tout le monde d'être passé. Puis, à la prochaine à tous. Bonne nuit, Alter. À la prochaine.